Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Captain Albator. Aujourd'hui, retour en 1982 avec un jeu d'arcade auquel j'ai beaucoup joué, Moon Patrol. Alors Moon Patrol, c'est un jeu qui est sorti en 1982 et ça a été édité par Irem Corporation, qui faisait pas mal de jeux à l'époque. On va dire que c'est un shoot, run and gun, en scrolling horizontal. Voilà. Donc c'est plutôt sympa, on a une petite voiture lunaire qui peut tirer en haut et en bas, donc des missiles. Mais trêve de bavardage, et c'est parti pour le retour du rétro gaming. C'était mieux avant. Alors c'est parti. Donc comme d'habitude, on met 3 crédits et c'est parti. Donc pareil, hein, c'est des jeux qui payent pas de mine maintenant, mais qui étaient vraiment géniaux à jouer. Donc voilà, on pouvait sauter, hein, un bouton pour sauter, un bouton pour tirer. Donc on pouvait accélérer et décélérer, et donc il fallait faire attention de ne pas tomber dans les trous et de ne pas se faire éclater par les petits aliens, ces petites soucoupes. Alors on va essayer d'aller le plus loin possible. Il y a donc des checkpoints, hein, qui sont représentés par des lettres E, T, O, T et Z. Alors ne me demandez pas à quoi ça correspond, je n'en ai. Aïe! Oh là, j'ai cru que j'allais la prendre. Aucune idée. Ouf! Enfin, voilà, vous voyez, je parle et c'est parti. Mais j'ai réussi quand même déjà à passer le premier stage la dernière fois. Il n'y a pas de raison que ça ne se reproduise pas. Alors effectivement, comme je le dis, au niveau du scrolling, ça va pas très vite. Donc on a l'impression que c'est assez simple, mais ça se corse assez vite parce qu'il y a de plus en plus de crevasses, de plus en plus d'ennemis. Et il faut avoir les réflexes bien aguerris pour éviter et les tirs et les crevasses, sauter au bon moment. C'est comme les rochers, ils ne sont pas tous de la même taille. Donc parfois il faut tirer, puis parfois sauter par-dessus. Et oui. J'espère en tout cas, parce que ça faisait un bout de temps que je n'avais pas fait de vidéo rétro gaming, hein, et même pas pendant le confinement. Donc j'espère déjà que le confinement s'est passé comme vous le souhaitiez, que ça n'a pas été trop dur pour vous, c'était long. Et espérons que tout s'améliore par la suite. Donc voilà, je suis arrivé au point E et j'ai pas de bonus. Your time 93, apparemment pour eux, c'est pas assez, assez fort. Donc là, nouveaux ennemis qui, eux, quand ils tirent, créent des crevasses. Et donc ça peut très vite poser des gros problèmes, vous allez vous en rendre compte. Attention. Et voilà. Et donc, d'où l'intérêt de décélérer ou d'accélérer en fonction des crevasses que vous rencontrez. Oh là là, ça va très vite! Vous voyez, c'est pas simple, il faut tout de suite enchaîner les sauts. Voilà, là j'ai tiré, là je tire aussi. Mais il y a certains rochers qu'on ne peut pas éliminer avec les tirs, comme ben là si c'est bon. D'accord, d'accord. Tout à l'heure j'avais pas réussi à lui tirer dessus. Très très étonnant. Va falloir accélérer. Écoutez, je retrouve les sensations de mon enfance. Moi je trouvais ce jeu génial, hein. J'y ai joué beaucoup en vacances. J'ai joué beaucoup sur bande d'arcade quand j'étais en vacances en Corse. Aïe, vous allez connaître ma vie. C'était vraiment, je trouvais ça vraiment top, quoi. Bon. C'est un game over, mais il nous reste... est-ce qu'il nous reste un... Oui, il nous reste un crédit. Je vais quand même en rajouter un, histoire de... Allez, on continue. Donc, toujours au point E. Attention, attention, attention qu'il tire pas. Ça y est, vous voyez là, il a créé une crevasse. Hop, une petite accélération, un petit saut. Et là, on est bien, hein, moi je dis. Hein. I. Ok. Ce que je voudrais bien, c'est essayer d'avoir des bonus. C'est-à-dire qu'ils me disent pas que je suis mauvais, quoi. Waouh, ouais, mais c'est chaud. Non, 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 je vous dis, il faut être bien synchro. Bah ouais, mais non. Ou alors, est-ce que je peux l'avoir avant de sauter? Peut-être faut-il tirer dessus avant de sauter la crevasse, ce qui vous permet de... Non, impossible. Le tir ne va pas assez loin. Cette crevasse me pose problème, messieurs. Oups, je fais n'importe quoi. Je me suis planté de bouton. Allez, 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 là. On est pas mauvais, ou pas plus que d'habitude. Bah, mais c'est pas très gentil quand même. Ah, ou alors il faudrait peut-être tout simplement la sauter. Ils sont trop méchants avec moi, sans déconner. Parce qu'en fait, il faut arnaquer un petit peu. Alors, donc là, on recommence du début, bien sûr. Cela va de soi. Bon, là, rien de compliqué sur le premier stage, on va dire. Hein. Si on fait pas le foufou, ça se passe très bien. Ah, je l'ai pas en pleine pomme.
Allez, 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 soyons concentrés. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez joué à Moon Patrol et sur quel support, parce qu'évidemment il est sorti en arcade en 82, mais il est aussi sorti sur ColecoVision, qui avait fait plutôt une belle version. À voir s'il était sorti sur Amstrad, pas très très certain. Sur Atari, je crois que oui. Oh, je la prends. Non, non, il faut de la concentration, faut pas croire. Allez, on va arriver à eux, on va arriver à eux. On arrive au checkpoint. Nous y voilà. Est-ce qu'il va me dire que j'ai bien travaillé ou pas? Your time, 93. Et non, c'est souvent le même... Ah, le record, c'est 80. Je vois pas bien comment aller plus vite, hein, parce que moi, je suis le scrolling. Hein. Oh, oh, purée. Mal. Voilà, c'était le fameux petit caillou, mais finalement, il n'y a pas eu besoin. Et il faut décélérer quand il y a trop de... Voilà. Alors, je rappelle que ces jeux étaient faits pour vous faire dépenser de l'argent. Hein, avant toute chose. Hein. Donc, il devait être juste dur comme il faut pour vous donner envie de continuer. Et en même temps, pas arriver au bout, quoi. Oh, je l'ai pris en plein fion. Oh, plein d'enfion. Bon, allez. Dernière tentative. Ah, ils m'envolent, hein. Oh, attention, attention. Oh, regardez, je vais pouvoir utiliser le dernier continue. C'est lamentable. Je peux pas cautionner ça, les gars. Les amis, aidez-moi. Donc, n'hésitez pas, hein, je vous le répète encore. Faites-moi un petit retour de votre expérience sur ce jeu, si vous y avez joué et sur quel support. C'est toujours sympa de savoir si... si on a joué au même jeu, à la même époque, est-ce que vous l'avez connu plus tard? Aïe, aïe, aïe! Et comment veux-tu que je fasse? Alors, rien que là, déjà, le passage est compliqué. Hein. Et pourtant, je sais ce qu'il faut faire. Bah non, mais c'est pas possible, les enfants. Je l'ai fait, je l'ai passé. Oh purée, j'ai cru que je l'avais pas. Ah, je suis arrivé à J. Youpi, youpi! Alors, your time, 147, on est loin. Non, mais c'est impossible. Impossible. Ils peuvent pas faire 80 à tous les passages. Ça... Oh, les mines, les mines, les mines. Il y a des mines, il y a des mines. Oh là là, là c'est que du saut les gars. Ah, je m'attendais pas à ce que ce soit que des mines. J'ai un continue ou pas? Allez, vas-y. Ah non, j'ai pas de continue. Si. Waouh. Je me souvenais pas des mines. C'est tellement abusé, les gars. C'est un truc de ouf. Là, il faut vraiment au millimètre près. Putain, trop tard. Oh là là. Allez, on... Oh non. Bon, bah, je crois que, voilà, ça sonne le glas. Une fois de plus, le jeu a été plus fort que moi. Mais enfin, j'ai quand même été jusqu'au deuxième stage, troisième stage. Moi, je dis que c'est pas mal quand même, faut pas se plaindre. Voilà, donc je vous ai présenté Moon Patrol, sorti en 1982 en salle d'arcade, développé par IREM Corporation, et qui est sorti sur d'autres supports tels que la ColecoVision, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, si elle vous a plu, à liker, partager la vidéo, me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, et puis surtout de votre... De ce que vous avez ressenti vous quand vous avez joué à Moon Patrol, si tel était le cas. En tout cas, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et ciao ciao.